Ils ont créé la sensation. Pour une première, l'ASB Chem a remporté l'édition 2022-2023 du championnat local de la tente urbaine de basketball amateur de Goma ce mardi 18 juillet dans un stadium de l'ISC Goma plein comme un neuf. Au bout des 5 finales amplement disputées, les coéquipiers de Moïse Boukengou ont pris les dessus sur l'ASB PDB Léopard, qui était aussi à la conquête de sa première consécration. Avant la 5e manche, les deux équipes avaient déjà 2 succès chacune. Pour le tout dernier virage, Chem a su creuser l'écart au bout du suspense 74 contre 70. Avant d'en arriver là, Chem a barré la route à Black Panther, qui était considéré comme un serré prétendant au titre. Chem succède ainsi à l'ASB Virunga, qui avait plié bagage avant la dernière ligne droite de la compétition. Ce joueur Moïse Boukengou a remporté les trophées du meilleur basketteur de la compétition. Pas de repos pour l'équipe championne des Goma qui va prendre part à la prochaine édition du championnat provincial qui démarre déjà ce 22 juillet en ville de Goma. 6 équipes, respectivement Léopard, PGB Elite, Black Panther, Virunga, Chem et Relax, vont en découdre pour les sacres. La ville de Butembo et celle de Beni ne seront pas une fois de plus représentées par manque des moyens et des championnats. Les vainqueurs sera d'office qualifié à la prochaine édition de la Coupe du Congo. Goma et Bukavu sont bien partis pour abriter cette compétition nationale. Lors de la dernière organisation, l'équipe de Goma Virunga avait atteint les derniers carrés avant de perdre sur tapis vert les matchs de classement face à Chosport de Bukavu. Oh, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40.